sur une carte. Je vois des trucs là-bas dans le coin, je sais pas si c'est les aspes ou de la carpe. Yes. Ah putain, la balle. Ah là ça met des bons petits coups de tête là quand ils sont en plein jus là. C'est pas mal. Parce que sur les. Ah ouais si. Parce que sur les bordures, putain, mais dès qu'ils sont piqués là, ils se mettent limite sur le dos là, ils reviennent comme des merdes, et comme la plupart des poissons que je touche, c'est des poissons de bordure. Oh putain, il est coffré le début du numéro là. Yes. Ah ça gère. Pas mal le nouveau secteur. C'est pas mal. J'ai essayé de le faire venir là en force. Yes. Oh putain, non, chier. Dommage. En même temps, j'ai pas vraiment ferré. Et puis le, comment ça s'appelle? Oh putain, les hameçons sont à moitié ouverts déjà. Fait chier. J'ai pas pris le temps de les changer, mais putain, sur le début numéro, c'est vraiment de la merde. Pire, je vais regarder ce que j'ai sur les autres leurres dans. Alors que je pense que peut-être je me servirai pas, je vais les changer. Bon, c'est bon, j'ai changé les hameçons là. J'ai récupéré ceux qui étaient sur une imitation, là, une version AliExpress du Jackson Artist. Ils sont pas mal, ils sont pas trop gros, ils ont l'air renforcés. Yes. Ah, je l'ai vu suivre. Ah, je sais pas si c'est un aspe ou un chevenne, mais je l'ai aperçu se tourner. Ça sent l'aspe. Ah non, c'est un gros chevenne. Tu crois, hein? Ouais, c'est un gros chevenne. Yes. Ah, bon ça. La moelle. Putain. Vive à son foie. Il y a un stécos là. Il y a un stécos. Ah putain, je l'ai décroché. Dommage, il l'a raté une fois et il est revenu dessus. Putain, ils sont taqués. Ils sont taqués. Yes. Ah c'est bon ça putain. Je pense que c'est encore un chef hein, mais
ça a l'air beau. Ça marche là, si. Ok, pour rester ici, c'est un chemin. Putain, ça défonce. Ah. Yes. Ils ont la moelle là, ici, en plein jus là. Ah, il y en a un autre qui était derrière là. C'est barré. Ah, il a commencé à faire du placard là. Ça commence à faire du steak là. Je viens de voir un mini silure là. Je pense que c'est mes bruits de pas qui l'ont fait bouger. Là, je le vois plus, hein. J'ai juste aperçu la queue, c'est toujours là. Je sais pas où il est exactement. Ah, il est là. J'ai aperçu sa queue un petit peu à droite là. Il est passé en dessous de... Il a pris. Putain, rouleur de surface en track shadow. Putain, faut pas que je perde mon leurre là. Merde. Faut que je fasse le con. Mon petit zinzin, ouais, ça fait son mètre. Je suis pas monté très costaud, hein. Faut pas que je fasse le con. Oh, bâtard. Il était là-bas l'enfoiré. Il était là-bas l'enfoiré. Ah merde. Là c'est pliqué. Ah putain, ça tue. Je l'avais vu l'autre fois. Il est pas mal, hein. Il y a l'impression qu'il doit être pas loin des 70, je pense. Où est-ce que je vais me mettre? Oh, peut-être un peu. Peut-être plus 65. Ouais, même pas, ouais, ça fait 60 peut-être. C'est là. Voilà mon pépère. Oh putain, je crois qu'il s'est... Hein, on voit bien. Allez, laisse-toi faire coquin.
là, il y a beau poisson. Il y a un beau poisson. Et arrête donc là. Ah, il y a beau. Il y a beau, il y a beau. Voilà. Est-ce que il va vouloir se laisser faire? Yes. Oh putain, c'est beau. Ah. Ah, j'ai bien fait d'allumer la cam. Allez, viens faire voir ta bouille. C'est quoi donc? Non, c'est un chub. Je pensais que c'était un asp. Non, non, c'est encore un gros chub. Putain, c'est bon ça. Un gros pépère. Merci.